Et salut tout le monde, ici le Ch'ti Player et bienvenue dans le troisième épisode du Let's Play de Super Metroid sur Super Nintendo. Bon, déjà dans mes touches, ça commence bien. Donc nous allons reprendre après avoir récolté quand même pas mal d'objets dans Brinstar. On avait aussi vaincu un nouveau boss, Sport Spawn. D'ailleurs, je vais aller faire un petit truc. Ah, non. Merci. Non, je fais que passer, bordel de merde. Je fais que passer. Hop. Donc si... je reviens faire un tour là exprès. Si vous vous souvenez, quand on est arrivé au boss, on s'est retrouvé par la porte... bloqué par la porte verte. C'était juste vol. Voilà, pour vous montrer que si on avait des super missiles, on pouvait ressortir par là. Hé, hey, one shot avec le super missile. Il est où le suivant? J'ai un vieux compte à régler avec vous. Oh oh, bien joué. Oh oui, super. Je sais toujours bien viser. Et par rapport à... par rapport à l'épisode 7 de Ratchet & Clank que j'ai tourné il y a 2 jours. Oh non, franchement c'est minable là, c'est minable. Donc, après avoir vous montré ce petit... Qu'est-ce que tu veux me faire m'emmerder jusqu'ici toi? Mais tu peux pas me donner autre chose que juste de la vie? Ah voilà, des super missiles. Mais viens pas me faire chier toi. Déjà que le plus item, déjà ça fait déjà chier par moment. Allez, encore un. Oh putain, en plus quand on le ramasse sur un ennemi, le super missile c'est un par un. Autant les missiles normaux, il me semble que c'est 2 par 2, si je dis pas de bêtises. Mais lol, il m'en donne même pas. What the hell? Non mais t'as encore 3 super missiles à me donner hein. T'es au courant que t'as encore 3 super missiles à me donner? Encore un, allez. Allez, encore un et je t'embête plus. Mais y'a un bug ou quoi? Ah bah voilà, enfin. Bon allez, donc maintenant on va explorer l'endroit que je vous avais dit hein, c'est-à-dire tout en bas à gauche de cette salle. Oh putain, j'ai fait un saut de merde. Donc forcément, ça n'est pas sans conséquence. Hop, je vais descendre par là. Putain mais hé. Comment on se fait harceler par les ennemis? C'est déjà un cirque quoi. Donc je rappelle que la porte jaune, je ne peux pas la franchir hein. Donc on avait chopé un missile, une réserve de missiles là en dessous, on avait récupéré le fameux rayon de... Le rayon de charge me court encore 2 touches. Ok, je sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui mais... Voilà la petite bombe pour sauter, pour passer dans la... Ah bah tiens. Allez. Ah, oh mais c'est pas vrai. Encore un puits ennemi d'un autre genre. Genre ennemi qui vole. Ah bah là regardez, il y a encore une porte là-haut. Comme quoi c'est utile de regarder un peu partout là, vous voyez. Mais comme c'est une porte jaune, bah je pourrais rien faire. Par contre il me semble que là aussi on peut... Là aussi il doit y avoir moyen de gruger au... C'est bizarre, j'ai l'impression que ça rame léger. Ouais bon laisse tomber. J'allais dire peut-être gruger avec Ah avec le saut mural. Enfin le saut, ouais le wall jump. Enfin le saut, ouais de toute façon le wall jump c'est bien ce que ça veut dire, un saut mural. Putain mais oh oh oh. Ça suffit un peu les conneries là. On voyait qu'on peut aller là. Ouais bon laissez tomber quoi. Eh je vous cache pas, il y a un secret là hein. On le voit bien. Mais le problème c'est qu'il me semble qu'il faut rentrer en... Putain mais... Il faut rentrer en... Oh putain j'étais presque arrivé. Oh oui. Joli. Là franchement rien à dire. La petite maîtrise du wall jump là.
Regardez, vous voyez, en étant debout, on passe pas. Fallait obligatoirement être au minimum baissé comme ça, quoi. Allez, je suis pas mécontent de ça. Je suis pas mécontent d'avoir réussi ce petit coup. Par contre, il n'y a pas d'autres secrets ici. Hein. Mais vous voyez, en tout cas, que des secrets, il y en a vraiment partout dans ce jeu. Il y en a partout, je vous dis. Putain, mais sérieux. Le harcèlement, par contre, ils sont forts. Alors, regardez cette porte. Pour l'ouvrir, il faut que je tire dans le petit carré bleu que vous voyez. Voilà, ça l'ouvre. Et c'est une porte que je qualifierais d'aller simple parce que il faut tirer dans la cible bleue comme je vous l'ai dit. Ah bah tiens d'ailleurs si je retire dessus ça la referme. Mais si je franchis la porte qui est là que je viens d'ouvrir et que je reviens la, cette porte là elle sera fermée. Et bah je pourrai plus tirer comme vous le voyez, je pourrai plus tirer dans le carré bleu pour repasser. Donc ce qui veut dire qu'à partir de maintenant je ne peux plus revenir. De la vie c'est cool parce que putain je me suis fait bien trop près de moi. C'est de ma faute. Mais pourquoi je fais pas comme ça au lieu de sauter comme un con. Voilà bon. Oh pas encore ça. C'est pas grave je récupère de la vie je vais pas me plaindre. Alors là je suis coincé sauf si je passe évidemment par au dessus. Alors un petit conseil par au dessus vous avez intérêt à courir. Voilà, parce que si vous courez pas, vous tombez en dessous comme une merde. Et vous avez plus qu'à tout recommencer. J'allais dire, je vais me faire toucher, mais bon, c'est pas grave. Putain, encore un super missile. Ah, changement de musique. Mais comme vous pouvez le voir, on est toujours à Brinstar. Bon, on n'a pas changé, on n'a pas changé de zone. Hein. Juste un changement de musique. Alors là, je vais vous montrer quand même vite que... Ah putain, j'y arrive même pas. LOL. En fait je me prends le plafond. Oh joli celui-là aussi. Non mais je commence à être content de mon semblant de maîtrise que je commence à reprendre. Mais et sérieux en plus je vois Samus se tourner de l'autre côté mais le saut prend pas. Mais va te faire mettre, putain je m'en fous. Voilà vous voyez en direct ce qui se passe sur mon PC. Je m'en tape, je vais pas redémarrer maintenant. Oh. Alors je suis en train de vous faire. Mais putain, je suis en train de vous faire des trucs complètement fous. Je vous explique, normalement on n'est pas censé faire ça hein. Mais putain il faut vraiment de. En fait faut que je tapote la direction opposée avant de sauter. Voilà, voilà, on arrive là. Aïe, je me fais toucher. Eh, hey, il y aurait moyen, attendez. Ah, mais... Je suis tout retombé. Ah, il faut vraiment... Faut, en fait, faut tapoter votre direction. Faut pas rester appuyé, en fait. Faut tapoter la direction opposée et sauter tout de suite. Sinon, le wall jump passe pas. Bon. Je vais pas aller plus loin, je vais pas insister plus. Hein, mais vous comprenez que je ne peux pas monter sauf en grugeant. Donc en fait on est censé être obligé de descendre. En réalité harcèlement inside. Mais d'accord même comme ça j'ai réussi à me faire toucher. Bon c'est pas grave je vais continuer à descendre. Oui. Petit ennemi qui se colle à vous. Il faut utiliser une bombe pour vous en débarrasser. Alors bon là j'avoue que le petit creux qui s'est formé avec ma bombe. J'avoue que visuellement je veux bien reconnaître que c'est pas forcément évident quand on connaît pas l'environnement. Bon là si je continue à descendre. Hop. Oh putain je me fais encore toucher par ces trucs. Alors vous voyez encore un truc à gauche. Le truc à gauche n'est pas indiqué sur la carte. Oh. Une recharge d'énergie. Et ça recharge que votre vie hein. Vous avez vu les missiles ils ont pas bougé. Alors maintenant je suis coincé en bas hein, puisque je peux pas remonter. Mais vous inquiétez pas, il n'y avait pas un secret là normalement. Ou au moins que c'est dans la salle d'après, c'est possible. Alors un conseil, tombez pas à l'eau, hein, parce que sinon pour vous mouvoir, c'est beaucoup plus difficile. Ah non franchement les déplacements dans l'eau c'est. Ah voilà il est là le secret. Ah mais tu vas pas me faire chier pendant 15 jours toi. Est-ce que je peux. Oh oui. Eh hey, j'arrive à caser tous mes wall jumps là. Alors il me semble qu'ici il y a un...
Ouais, y'a ça. Alors normalement si je... Oh, fais chier. Allez, vas-y, dans quoi je tombe? Ah, cet ennemi là, c'est... C'est une chure. Laisse-moi sortir. Ah, ça y est. Enfin, ça y est. Non, pas vraiment, puisque... Mais putain, mais quel con, je me remets en plein dessus. Mais je vais quand même pas crever. J'y crois pas. Le passage que je voulais aller, il est là au-dessus. Mais t'es sérieux? Tu vas me dire que là je vais crever? Est-ce que je peux aller directement? Oui. Putain, mais... Il me reste 2 points de vie. J'ai 2 points de vie. Alors là, accessoirement, on a changé de zone. On est dans un truc qui s'appelle Maridia. Bon, ne vous inquiétez pas, vous aurez l'occasion de voir plus tard. Par contre, j'ai toujours ma touche start qui bug. Fais chier, je voulais aller chercher le secret, je peux pas. Je peux pas parce qu'il faut absolument que je trouve de la vie, quoi. Et on arrive à un ascenseur. Alors vous voyez, il y a quelque chose à droite sur la carte. Oh, du super missile. Mais merde, super missile, et je fais quoi? Je mets une bombe. LOL. D'accord, je me gourde de missile. Zen, ma faute. Oh. Ah ouais, sauf que, ben... Oui, j'ai ce truc, mais je ne peux pas l'atteindre, sauf si... Attends. Non, là, le plafond... Vous voyez, là, le problème, c'est que le plafond, même si j'arrive à caser un wall jump, le plafond, il est trop... Ouais, là, je peux pas. Là, c'est impossible. Donc, il faut absolument que j'aille par là. Ça va être super de se taper l'alarme. Bon, bah nous arrivons encore dans une nouvelle zone, hein, rien que ça. Je ne peux même pas faire start pour avoir la carte, peut-être qu'il attend, voilà. Ah, quand on est dans le menu, l'alarme s'arrête. Ça, c'est cool. Ah, c'est cool. Donc, nous sommes à Norfair. Rien que ça, Norfair, l'environnement de lave. Alors, je vais faire gaffe parce qu'avec 2 points de vie, le moindre contact, ça va me tuer. J'allais loin avec ça comme vie. Mais non, c'est ça pour l'ouvrir les vertes. Oui, cool, ça sert à rien. Voilà. Merde, j'ai gardé les missiles équipés, mais bravo, magnifique. Non, franchement, génial. Bon, allez, le passage là aussi, reconnaissons aussi que ce passage là, il n'est pas forcément évident à l'œil. C'est un peu ça le problème, c'est que des fois vous avez des passages secrets qui sont pas forcément évidents à l'œil en fait. Faut le reconnaître. C'est vrai qu'à certains passages secrets, faut savoir qu'ils existent pour les trouver. Putain, mais en n'ayant que 5 par 5. Ah! Ça fait du bien quand ça s'arrête! Allez, je vais rechoper de la vie. Mais merde! Mais quel con! Ta gueule! Oh, on a compris! Alors, maintenant qu'on est là, j'aimerais bien quand même essayer de trouver un minimum un moyen de recharger ma vie. Alors oui, au passage, les portes roses, je vous en ai pas parlé. Maintenant, je peux les... D'accord, je m'emmerde à ramasser de la vie, regardez ce qu'on a! Putain, mais regardez ce que je trouve! Un énergie tank qui remet ma vie à fond! Bon, maintenant j'ai 2 carrés, hein. Du coup. Donc ça fait 2. Alors, par contre, est-ce qu'il y a un truc là? Je doute, mais. Alors, vous avez remarqué, la porte est fermée, hein. Donc, je sais pas, vous avez vu, quand je suis arrivé, il y a un ennemi qui se barrait, bah il faut que je tue. Il est où? Bah! Alors voilà. Je vais mourir. Merci d'être passé. Ah putain, c'est... Je peux pas remonter comme ça. Je voulais juste tester. Normalement je suis pas censé remonter par là, hein, mais...
Ouais, bon, laisse tomber. Là, enchaîner les wall jumps, c'est un peu compliqué pour moi. Ah, là, je suis sûr qu'il y a moyen de monter. Parce que là, je peux pas sauter, directement, je monte pas assez haut. Mais... voilà, allez. J'y suis arrivé une fois, je vais bien y arriver une deuxième fois. Mais... voilà. Alors, est-ce que j'ai besoin de vous expliquer qu'en faisant ça, je viens de truander le jeu déjà? D'accord. Hop, j'ouvre tout de suite la porte comme ça. C'est pas un hasard, je le fais pas par hasard. Donc là, je vais repasser. Ça, ce que je viens de faire, c'est pour gagner du temps. Alors, vu que la difficulté que j'ai eu est casser le wall jump, je sais pas si ça j'ai vraiment gagné du temps. Mais bon. Mais lol, j'arrive même pas à passer, c'est quoi ce délire? Oh super, on dirait une botte. Botte de grand saut, voilà. Ça voilà gros. Mais mot à mot c'est ça, botte de grand saut. Alors qu'est-ce que ça fait la botte de grand saut? Parce que évidemment, je peux vous le montrer dans mon statut. Elle est, voilà, elle est là, elle est activée. Je peux la couper comme d'habitude. Je peux couper ou mettre. Hein. D'ailleurs ça change le dessin de Samus au niveau des pieds. Ça c'est assez drôle. C'est vrai, les autres trucs quand je les active ou je les désactive ça fait rien, mais par contre les bottes. Eh ben du coup. Non, en fait. Pour que ce soit plus simple, je vais vous montrer sans, en fait. Donc sans les bottes de saut, je peux sauter, voilà. Voilà, même en gardant le bouton appuyé, parce que en fait, si je lâche le bouton plus tôt, ben voilà, regardez, si j'effleure le bouton, elle fait un tout petit saut de rien du tout. Si j'appuie longtemps, elle saute jusque là. Sauf que, ben je peux pas ressortir. Bon, cela dit, comme je maîtrise plus ou moins le wall jump, il y aura peut-être moyen de passer. Donc voilà, bon, je pense que vous avez évidemment déjà pigé ce qui va se passer. Hein. Maintenant, je remets les bottes de saut. J'ai encore appuyé sur le bouton Xbox sans le faire exprès. Tellement le bouton start, mais il est à 1 mm du truc. Et ben maintenant, avec les bottes de saut, wouhou! Youhou! Vous savez, ça me fait penser à quoi quand je me mets à sauter plus haut? Ça me fait penser au serre-tête lapin dans. Enfin, au serre-tête avec les oreilles de lapin dans les Super Smash Bros. Là. Donc, évidemment, du coup, bah maintenant, j'ai plus besoin de caser un wall jump. Donc, en fait, en faisant les wall jump tout à l'heure, j'ai truandé le jeu, mais bon, c'est pas grave. Parce que, du coup, si j'ai ouvert la porte d'avant, c'est pour pas avoir besoin de retuer l'ennemi pour. Alors, maintenant que je suis à peu près plein au niveau de mes vies, je vais remonter chercher ce putain de secret. Oui. Quoique, je vais quand même vous montrer un peu les tenants et les aboutissants avant d'aller le chercher, puisque c'est juste un secret, je vais pas aller le chercher tout de suite en fait. Donc là, si je vais par là. Ah merde, on a quand même un petit problème, c'est que ma vie descend toute seule. Et en fait, je vous explique, c'est tout simple, c'est parce qu'en fait. D'accord, le mec il est reparti. En fait, dans cette zone, il fait beaucoup trop chaud. Donc je ne tiens pas, je ne peux pas résister, il fait trop chaud. Et ensuite en bas, il me semble qu'on a. Mais quel con! Il me semble qu'en bas, on a une connerie du même genre. Bon, moi je me cours, c'est pas là. Oh, une unité de sauvegarde! Ah oui! C'est vrai, je me souviens maintenant. Celui-là, oui, il faut que je les tue, c'est. Génial. Bon, bah là, vous voyez que je suis coincé. Et si je mets des petites bombes. Ah, le fameux symbole qu'on a déjà vu. Et je ne peux pas. Merde. Je ne peux pas franchir cet obstacle, c'est impossible. En fait, voilà c'était ce qu'il y avait. Voilà ce que c'est qu'il y avait ici. Ouais. Ah tiens, j'ai pas testé au fait. Il faudrait que je vois si j'arrive à reproduire le bug que j'avais eu en fin d'épisode précédent. Mais ici, est-ce qu'on peut y aller? Ah oui, je peux. Je pensais que j'allais être bloqué par un objet. Ah, trop chaud! Et puis en plus, regardez, il y a une réserve aussi de l'autre côté, mais il y a encore la porte que. Et je suis pas du bon. La porte qui s'ouvre que d'un sens, et je suis pas du bon côté. Bon, par contre, l'ennui, c'est que j'ai un peu bouffé ma vie en faisant ça, en vous montrant toutes ces choses.
En plus, en vous montrant tous ces trucs pour rien, donc... C'est-à-dire que tout ce que j'avais à faire, c'est d'aller remonter chercher ce fameux secret que je vous ai dit. Oh bah au moins, comme au niveau missile, je suis à peu près malin. Bon là, elle a toujours la fameuse porte jaune. Je vais attendre que le dernier remonte. Putain, missile, tu me parles. Mais merde. Encore un peu de vie. Allez, remontons. Remontons, remontons. Donc maintenant, je pense que vous avez déjà compris qu'avec mes bottes de saut, je vais pouvoir atteindre ce passage à droite auquel je sautais pas assez haut. Mais avant ça, je vais aller chercher le secret quand même. Alors, rappelez-vous de ce tube en verre, hein, il aura son importance. Par contre, ça fait beaucoup de zones de chargement là quand même. Par contre, est-ce que je peux. Ah, mais. Je peux pas tuer ces merdes là. Au super missile peut-être. Ouais. Jackpot. Mais. Quand si vous pouvez éviter de tomber dans les pics, ça m'arrangerait. Donc, le passage, je rappelle, le passage secret il est toujours là au-dessus. Hein. Là en fait c'est juste un petit peu pour vous narguer et que vous voyez qu'il y a une porte au-dessus parce qu'en fait ici il n'y a rien. Allez, merci d'être passé. Par contre évidemment avec les bottes de saut j'ai plus besoin de faire le wall jump non plus, c'est pratique. Non, est-ce que je peux. Ouais, je peux faire ça, c'est beaucoup plus simple, voilà. C'est beaucoup plus intelligent de faire comme ça. Oh putain, encore un item à choper. Ah, ça c'est intéressant. Le spacer. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il fait le spacer? Tout bête. Hop, mon tir divisé en 3. Ce qui permettra de couvrir une zone d'impact un peu plus large. Par contre, si mes souvenirs sont bons. Si mes souvenirs sont bons, j'ai dit. Non, c'est pas là. Ok. Bon bah. Il me semblait qu'il y avait un passage. Il me semblait qu'il y avait un autre passage planqué là-dedans. Oui oui c'est possible. Eh, un passage secret dans un passage secret, oui c'est tout à fait possible. Bon bah écoutez, c'est tout hein. Faut dire qu'à force les salles je finis par les mélanger aussi donc donc c'est ça aussi. Voilà, je préfère passer par là, comme ça, ça m'évite de tomber directement dans... Non, m'attrape pas. Bon, je vais éviter de les tuer, ça sert à rien, sauf si... Mais c'est pas vrai que les ennemis vont bientôt... Mais je retombe en direct dessus, mais oui. Putain. C'est pas vrai. En fait, j'aurais dû sauvegarder en bas. Le problème, c'est que là, je reste un peu trop calé sur mon habitude de sauvegarder en fin d'épisode. Le problème, c'est que là, ça va me poser problème si je continue à perdre de la vie comme ça, comme un con. Alors du coup, bah, je vais redescendre, ça fait chier. L'ennui c'est que cette fois-ci je suis obligé de gagner de la vie en tuant les ennemis puisque évidemment l'énergie tank il va pas en revenir. Putain mais t'es sérieux, il me donne que des petites grappes. Voilà un gros, c'est déjà mieux. Évidemment si je sors de la salle et que je reviens, les ennemis auront repopé. Oh là, des grosses vies, c'est plus intéressant. Merde. Oh, je suis pas. Mais c'est moi, il m'a pas donné de vie. En flurve. Hop.
Lulz. Je vais le refaire encore une fois. Lol, je sais viser encore. Mais non, mais sérieux, celui-là il me donne pas de vie. Non mais un super missile, c'est bon. Bon allez, ça ira comme ça. De toute façon, je rechopperai bien un peu de vie en route. Donc nous allons nous sauvegarder. Voilà, sauvegarde terminée. Alors je veux juste voir un truc. Attendez, hop. Non. Voilà, vous voyez, une fois qu'on a eu le menu une fois en fait, j'ai pas l'impression que la dernière fois ce soit réellement un bug. Parce que là maintenant, vous voyez, j'ai fait une sauvegarde. Et maintenant quand je sors de la cabine et que je me remets, il me propose plus. Je veux juste voir. Putain, je suis à 27 minutes, t'es sérieux? Ah voilà, là je l'ai fait bugger. Là j'ai appuyé sur start au moment où j'ai posé les pieds sur le... dans la cabine. Donc là je dis que je ne veux pas sauvegarder. Ensuite je pars dans le menu. Je ressors. Et là si je repose les pieds sur la cabine, j'ai plus la proposition de sauvegarde. Maintenant ce que je vais faire, là je vais pas tenter de faire le bug avec le menu. Je vais juste me poser. Voilà, voulez-vous sauvegarder? Je dis non. Et si je reviens? Bon d'accord, en fait ce qu'on avait la dernière fois c'était pas réellement un bug. J'ai juste cru qu'on partait dans le bug. Mais qu'est-ce que vous voulez? Hop. Putain, genre j'hallucine de voir que je suis à 28 minutes. Sérieux, j'ai l'impression d'avoir fait rien. Franchement, on a chopé combien d'items? 2 ou 3 je crois. 3 3 ou 4? Je sais même plus. Vos items, je les compte même pas alors. Je devrais. Sérieux, je devrais. Bon allez, super missile, boum. Donc maintenant, voilà, on peut monter. J'ai pas oublié de me déséquiper des missiles avant de... Et on arrive là. Un peu mal placé le bloc à détruire, hein. Mais pareil, hein, visuellement ça se voit pas trop. Alors là, une porte verrouillée. Ici, une bombe. Ah, ça, je vais m'équiper des missiles. Est-ce qu'il y en a encore? Non, c'est bon. C'est bon, j'ai tué tout le monde. Ah, attendez, parce que... Je vois une faille là. Oh, ça me... Ok. L'ennui, c'est que j'ai peur que ce soit la suite. Ah oui, merde! Oh putain, je voulais pas aller là maintenant. Je pense qu'il faut tuer tout le monde encore une fois. Aïe. Mais t'es sérieux? Bon là, je me laisse un peu toucher. Oh là, merci. En plus, je vois une salle de sauvegarde là au-dessus, donc ça... LOL. J'ai rattrapé un projectile balancé par notre ami. Non, je voulais pas aller là tout de suite. L'ennui c'est que les ennemis ont tous repopé évidemment. Alors ça sert à quoi d'aller aller là, c'est pour aller à la sauvegarde. Allez c'est parti. On va faire du saut de bombe parce que je sais qu'il y a quelque chose d'intéressant là. Évidemment faut encore que j'y arrive, hein. La bonne cadence, et... ah voilà. Ok. Tout ça pour ça quoi, tout ça pour découvrir que je ne peux pas aller, mais je savais bien qu'il y avait un truc. Pour me prendre pour un con. Oh merde, j'ai reposé un bleu, j'ai reposé un bombe pour rien. Bon bah du coup on va déjà s'arrêter là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En tout cas au passage le gros ennemi que j'ai tué là dans le couloir où je voulais pas aller là. Bah il a sa petite importance puisqu'il annonce plus ou moins ce qui nous attend.
Sauvegarde. Eh, ça tombe bien, en plus je suis à fond. J'ai tout. J'ai pas rechopé de nouvelle missile, de réserve de super missile, donc je suis toujours à 5. Enfin voilà. Bon, bah du coup, on va s'arrêter là-dessus pour cet épisode. Donc, prochain épisode, nous retournerons dans le fameux couloir de la mort. Avec la musique bizarre. Hein. Avec le dan-dan-dan-dan-dan. En bref. Donc, on va s'arrêter là-dessus pour cet épisode. Je vous dis ciao et à la prochaine.